I say he's so sweet, they don't wanna get the rapper. Venus baby, lollipop, lollipop, but she's just like Dolly Parton. She ride my spaceship till she hit the top. That hit the spot till she asks how many little licks do it take till she get the shot. Don't worry about my wrist, that's so freeze. Tell a girl like Doritos, that's nacho cheese. Tell her friends like Fritos, I'm trying to lay. I can only have one and I ain't trying to wait. This is how it rains and I know it's gon' melt. But you ain't gonna murder me like everybody else. I'ma rap like I got some type of respect for myself. I don't do it for my health, man, I do it for the belt. Man, I do it to the depth, to the roof get melt. Honey, but please drop the roof so the coupe don't melt. Man, I flow so cold, chicken soup. J'ai d'abord fait des études d'art appliqué à l'Institut supérieur des arts appliqués à Rennes. Et après, j'ai demandé à un tatoueur de me prendre en formation et je suis restée avec lui pendant un an. Je suis de Normandie à l'origine. J'ai fait mes études à Rennes. Après, je suis partie chez un tatoueur à Saint-Nazaire et je suis revenue ici. Ici, ça fait 7 ans qu'on a ouvert avec Sébastien de Persing. Et voilà, ça se passe plutôt bien. J'ai pris un apprenti, là, c'est la première fois que je prends un apprenti. Et donc il va rester avec moi pendant un an au moins pour faire sa formation et puis peut-être plus, peut-être qu'il restera avec nous, je sais pas, on verra. Il n'y a pas de cadre en fait, il n'y a pas de diplôme à la fin, ça n'existe pas. Pour l'instant, on apprend sur le tas, mais c'est essentiel d'apprendre quand même avec un professionnel qui va nous apprendre. Les bases au niveau, donc il faut déjà avoir tout ce qui est graphique, hein, donc tout ce qui relève du dessin, ça faut le savoir déjà de base. Après c'est toute la technique, la peau et tout ça, et aussi faire la formation obligatoire à l'hygiène qui est essentielle. C'est une formation qui est dispensée par différents intervenants dans les hôpitaux ou ailleurs et ça dure 4 jours, ça coûte dans les 400-500 euros. C'est une formation obligatoire qui explique déjà de l'histologie, enfin expliquer comment fonctionne la peau, etc. Et puis tout ce qu'il faut faire pour être dans un état d'accueil le plus responsable, le plus, pas stérile, on n'est pas dans un bloc opératoire, mais être dans une démarche d'hygiène, utiliser du matériel stérile à usage unique, mais l'utiliser correctement. Donc tout ça, ça ne s'apprend pas dans un coin de notre salon. Je pense que c'est rassurant pour les gens de savoir qu'ici ça se passe comme ça. Je dis bien ici, hein, après chacun fait ce qu'il veut dans son studio maintenant. Ici, je montre carrément que mon matériel est stérile, à usage unique, il y a une date de péremption. C'est noté, c'est déballé devant eux. Donc ça, déjà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, ils voient l'usage des gants, que tout le matériel est emballé, qu'il n'y a pas de contamination croisée possible. Alors, le risque zéro n'existe pas, ça c'est évident. Mais en tout cas, sûrement pas en réutilisant des aiguilles, ça c'est évident parce que elles sont détruites après, elles partent en destruction. Et pas en contamination croisée parce que tout ce qui a déjà touché quelqu'un ne retouchera pas une personne par la suite. Ça c'est des choses qu'on peut prétendre ici, en studio, avec
notre façon de travailler à nous, qu'on ne retrouve pas forcément chez les gens qui travaillent chez eux, et qui n'ont évidemment pas le droit de le faire. C'est interdit de travailler à domicile, et à domicile des clients, il faut avoir une structure avec des points sales, des points propres, des conteneurs de matériel utilisé. Il y a des choses à respecter qu'on ne peut pas emmener sur le site où vivent les clients. Une fois que le motif est choisi, que le dessin est fait, réalisé par le tatoueur, que le dessin a été convenu, l'emplacement, la taille, etc., le prix, bien sûr, une fois que tout est convenu, déjà on peut y aller se faire tatouer un peu plus tranquillement. Mais après, il faudra faire l'autre moitié du travail, les soins qui sont essentiels. Les soins, bon, c'est du lavage antiseptique, et puis mettre de la pommade pour hydrater le tatouage de manière à ne pas faire de croûte et que le tatouage reste bien joli.